Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette rencontre. Les équipes sont arrivées il y a un peu plus d'une heure maintenant. Elles se sont échauffées dans de bonnes conditions. La pelouse est belle. Elle a été tondue juste à la bonne hauteur pour que le ballon glisse bien, aille rapidement. L'ambiance était plutôt bonne, malgré le ciel menaçant qui pourrait nous donner un peu de pluie plus tard. Mais pour l'instant, pas de goutte. Quelle émotion de voir ce stade rempli jusqu'au dernier siège. Le Celtic va donc évoluer avec une seule pointe. Votre analyse, Darren ? Vous savez, on pense souvent à tort que le 4-5-1 est un système très défensif. C'est plutôt le contraire. En fait, c'est une tactique très flexible qui permet de passer très rapidement d'une configuration d'attaque à un système plus solide. Il faut avoir des milieux excentrés qui n'ont pas peur de faire les efforts, mais ça permet de mieux conserver le ballon et d'améliorer les transitions défensives. Le match commence. Baldé. Sinclair. Un centre. Allez jusqu'au bout. Aucun danger pour le gardien. Qui cherche à construire. Ça va sur l'aile. Il joue dans l'espace. Allez, c'est dangereux. Et la parade du gardien. Oh, c'était une jolie frappe. Premier corner dans cette rencontre. Il ne se pose pas de questions. Il n'hésite pas à participer à l'effort défensif. Pour un attaquant, c'est bien. C'est vraiment un joueur complet. Il est capable de tout, on dirait. Belle passe lobée sur l'aile. Dommage, ils avaient pris leur temps, mais au final, le ballon est rendu à l'adversaire. Itzaguirre. Baldé. Le Celtic qui a souvent marqué entre la 15e et la 30e minute, mais pas aujourd'hui. Il tente de la jouer dans l'espace. Il rejoue derrière lui. La frappe. Oh, but pour le Celtic. Ouverture du score pour le Celtic. Oh, il était bien placé ce ballon, tout simplement imparable. En plus, je crois qu'il a frappé d'instinct, sans regarder le but. Baldé qui double son capital but avec sa deuxième réalisation de la saison. Bien, c'est reparti, ça fait 1-0.
Il mène au score, maintenant il ne faut pas laisser l'adversaire revenir. Le Celtic a encore marqué lors du deuxième quart d'heure, ça devient une habitude. Il était bien présent. Alors que les premières gouttes commencent à tomber. Gabriel et Anguela. Il allonge vers l'avant. Itzaguirre qui cherche la profondeur. Pour trouver la faille dans la défense. Balde. Le dégagement. Il peut choisir de centrer. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Balde. Ça peut être extrêmement dangereux. Le Celtic qui mène toujours au score alors qu'on s'approche de la mi-temps. Balde. La passe dans la profondeur. Oh, quel geste! Le soutien derrière lui. Faut tirer là! Et l'arbitre siffle la mi-temps sur cette grosse occasion. Un seul but de différence au tableau d'affichage après ce gros coup du sort, juste avant la pause. Dites-moi, on peut retenir quoi de ces 45 premières minutes? Oui, et c'est une avance logique, même si le score aurait pu être bien plus lourd, vu le nombre d'occasions qu'ils ont eues. Avec un peu plus de réussite en seconde période, ça pourrait donner une large victoire. 1-0 au tableau d'affichage, et encore 45 minutes à jouer. Coup d'envoi de la seconde période. Un seul but d'écart, mais ça suffit à leur bonheur pour le moment. Sinclair qui récupère ce ballon. Balde. C'est bien donné. Défense se donne de l'air. Faut frapper là. Kilmarnock qui peut avancer. Allez. Peut partir en contre. Oh, ce jeu de passe, quel régal! C'est joué long, attention! Le drapeau ne s'est pas levé! C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on! Et à ce stade du match, il n'y a plus à hésiter, si? Non, c'est bien vrai. Le gardien loin devant. C'est une frappe! Ça passe au-dessus! C'était un tir plus que correct, ça méritait sans doute un meilleur sort! Kilmarnock qui effectue un changement. Il glisse le ballon en profondeur. Il est passé. Le centre est tendu. Et la tête. Et
c'est bien fait, mais ça ne passe pas. Ah, ça aurait pu faire, je ne sais pas passer loin. Le Celtic qui cherche l'étincelle. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ça fait donc 1-0. Baldé. Oh, ça aurait dû faire 2-0, ça. Oh là là, c'était chaud. Avec deux buts de retard, ça aurait été quasi impossible pour eux. Ça joue long, vers l'avant. Il tente de la jouer dans l'espace pour trouver la faille dans la défense. Le long dégagement du gardien. Le coup de sifflet, ce sera une faute. Allez, plus que quelques instants à tenir. Sinclair, il glisse le ballon en profondeur. Il y a peut-être un coup à jouer. C'est terminé, l'arbitre siffle la fin de cette rencontre. Ils auront douté jusqu'au bout, mais cette victoire 1-0 suffit largement à leur bonheur. Ah oui, mais on reste un petit peu sur notre faim quand même. Après une bonne première mi-temps, les défenses ont pris le pas sur les attaques dans la deuxième. On est malheureusement obligé de se quitter maintenant d'arène. Merci d'avoir vécu ce match à mes côtés. Très belle soirée à vous tous. À très bientôt. Merci Grégoire. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.